Non, du coup, elle n'apparaît pas. Je vais devoir attendre ici. Je vais devoir attendre ici qu'un joueur débarque avec la PNJ. Je suis dégoûté. Ah, je vous jure. Ou alors je vais devoir attendre le repositionnement des PNJ. Ça arrive toutes les heures à peu près. Ça arrive une fois par heure à peu près. Bon. Ben, est-ce qu'on part en explo du coup? On va partir un peu en explo. On va partir un petit peu en exploration. Après tout, on n'en fait jamais en vidéo. Du coup, je me dis, c'est peut-être l'occasion.
du coup ici c'est bon. Je vais mettre là. Toc toc toc, Léo fait. Léo fait, hop. Exploration. On va profiter pour faire ça maintenant. Hein. Ombre lune. Non. Non, ça c'est l'outre-terre, pardon. Ombre terre. Ombre terre. Raventreff. Suivi. Ok. Hop, c'est parti. On va explorer un petit peu. De toute façon, on a un fly hein, pas loin de là où. On va donc. Je vous propose, c'est ben, on va. En attendant que qu'il y ait le repositionnement des PNJ. De toute façon, on aura le. Je vais laisser le. Hop. Voilà. Je vais laisser une des quêtes sélectionnées. Et dès que la flèche apparaîtra, et ben, on prendra un fly. Pas passé. Ah. Oh 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 oh. Vous me cherchez ? Pardon, d'accord. Moi, je suis même pas triste. Apparemment, ça a été suffisant pour découvrir la zone. Par là, il y a un truc. Oula. Je sais pas ce que c'est que les mobs en gris. Ouais. Là, il y a un truc là. Bien, alors toutes mes excuses, la coupure a été un peu brutale. Je vous explique un petit peu. Donc vous avez pas forcément tout vu, mais en fait ce qui s'est passé. Attendez, je reprends le jeu. Hop. J'ai été prendre ce fly là, j'ai fait demi-tour et à ce moment-là, crash complètement mon PC. Mais complètement. J'ai dû redémarrer mon PC. Mais ça avait fait planter l'enregistrement et tout, donc vous avez perdu quelques petites minutes, mais où il s'est rien passé. Ça a vraiment été. J'ai récupéré le fly et crash du système. Donc quand je me suis reconnecté, la trackpeur est réapparue.
là où j'étais, donc au niveau du fly. J'ai pris le fly, elle m'a suivi, et j'ai une nouvelle quête qu'on va lire ensemble, sachant que voilà, elle avait. Pourquoi elle parle en russe? Voilà, elle m'avait sorti un petit dialogue quand j'ai pris la quête. Je sens la peur de la félonne aller au dépôt décrépit. J'espère qu'elle n'a pas encore été avalée par un dévoreur. Quel gâchis ce serait. Voilà. C'est tout ce qu'elle a dit. Et donc, j'ai pas lu la quête. Hein. J'attendais de pouvoir reprendre avec vous. Il est temps de chasser notre dernière proie, l'accusatrice. Pénurie d'anima ou non, son attachement à ses rituels sacrés va à l'encontre de la volonté du maître. J'ai hâte de voir la terreur dans ses yeux. Bon, voilà. Du coup, on est parti. Donc c'est à 400 mètres. Et cette fois-ci, je vais faire attention à ne pas la perdre. Parce que c'est chiant. Notamment quand on se fait attaquer. C'est bon. Ok. Elle suit, elle suit. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est plus en haut? Non, ça a l'air d'être en contrebas. Misérable traîtresse, faut-il être bête pour se terrer dans un cul-de-sac? Cher sans entrave, Denatrius a fait de vous un pion. Le temps presse, elle ne va pas tarder à revenir. Je vais vous dévoiler la vérité. Ah, cinématique? Vous venez vous confesser. Denatrius vous a aveuglé. Je vais vous ouvrir les yeux. Et cette puissance en gage de ma confiance. Ah. Porte des ombres. Oula, encore ok. Point d'expiation sans sacrifice. Je vous ai fait gagner un peu de temps en envoyant la trappeur loin d'ici. Grâce à ce piège, de l'autre côté de ce miroir se dressent les profondeurs du château Natria. La forteresse de Daedalus, c'est là-bas qu'il s'apprête à recevoir l'un de ses sbires. Franchissez le miroir et joignez-vous à moi, M. du vieux Normand, vous allez apprendre toute la vérité sur cette prétendue pénurie. Suivez-moi, vous allez voir pour qui vous vous battiez. Oula, donjon? Alors si c'est donjon, j'ai qu'une demi-heure pour tourner. Ça va être chiant. Regardez, la voix du peuple est bien loin de servir Ravendress. Oh bordel, c'est une instance. Peut se racheter. Comme je le disais, sire, une opération aussi délicate ne saurait être bâclée. La collecte de l'anima exige une certaine finesse. Notre ami perd patience. De récents événements exigent que nous accélérions nos efforts. Occupez-vous-en, Inerva. Mais mon maître. Mais qu'est-ce donc là? Madame, vous devriez faire plus attention aux arrivées en Lysia. Si.
ma grande accusatrice et ces pauvres petits pions mortels. Il est impressionnant de voir que vous avez découvert notre petit secret. Impressionnant, mais aussi gênant. Vous privez vos sujets d'anima et condamnez toute l'ombre terre à subir la pénurie. Pourquoi ? Les autres royaumes ne feraient que dilapider notre plus précieuse ressource. Inacceptable. Je vous rassure, l'anima servira une cause supérieure. Malheureusement, vous ne serez plus là pour profiter de ce glorieux destin. Je vais m'occuper de Usir. Garde ! Occupez-vous des intrus pour le maître. LOL. Alors, excusez-moi. Point de pardon sans expiation. Alors, voilà qui a failli mal tourner, mais je crois que nous avons enfin l'occasion de prendre l'avantage dans ce conflit et de vaincre l'attrapeur. Retrouvez-moi à Combefroid, le pavillon de chasse abandonné de l'attrapeur. Nous devons voyager séparément. Elle ne tardera pas à s'élancer à notre poursuite. Je vous retrouverai là-bas. Je dois prévenir nos alliés de ce qui se prépare. Bon, ça va, je m'attendais à une instance plus longue, ça a pris à peine 5 minutes.
Zut, attendez. Oh non, c'est bon, mon micro, je l'ai réactivé. Mais il ne sera pas sans risque. Mais pour nous, notre ami fait des merveilles face au danger. Et puisqu'on parle du loup... Regardez votre passé en face. Il vous perdra. Alors, la Trackpeur a sûrement envoyé ses chasseurs écumés, Malbois... notre recherche, M. Dieu Normand, à en croire Draven, certains de ses meilleurs éléments. Vous savez quoi? Nous resterons à l'affût. On lira ça. On lira ça lors de notre prochaine session de tournage. Pour le moment, moi, je vais m'arrêter. Étant donné que j'ai eu un crash système, je dois faire des vérifications. Et surtout, ben, je vais aussi commencer à monter les 4-5 épisodes que nous avons tournés aujourd'hui. Voilà. Et donc, sur ce, ben, je vous dis ben, peut-être à tout de suite pour vous. Mais pour moi, à potentiellement dans une semaine. À bientôt. Bien, nous nous retrouvons. Donc, ben, c'est parti. Alors, pour moi, plusieurs jours se sont écoulés. On fait peut-être rapidement le point. Oui, si, il faut qu'on fasse le point. Voilà, je suis à 196 000 PO. Donc, aux portes des 200 000. Voilà, le business tourne toujours. Il s'est passé plusieurs jours, hein, même une bonne semaine depuis le dernier enregistrement. Il s'est passé aussi 2-3 trucs en joueur contre joueur, étant donné que bah, j'ai fait quelques champs de bataille. C'est un enfer parce que ma classe a été énormément nerf, donc je meurs en boucle dans les champs de bataille. C'est un enfer. Niveau stuff, je suis e-level 152. J'ai investi dans l'équipement de donc PVP. En fait, il y a deux équipements PVP comme quasiment à chaque extension. En gros, il y a le 7.1 et le 7.2. Et après, il y a les 7 de côté, ce qu'on appelle du JCJ côté. Mais j'en fais pas. Donc j'ai, si vous voulez, le stuff 1 en PVP. Il faut faire partie de la congrégation des nécromanciens, un truc comme ça, pour avoir le stuff 2. Donc c'est peut-être plus tard dans l'histoire. Il va peut-être falloir attendre d'avoir fini la campagne pour pouvoir accéder à l'autre stuff. Qui est beaucoup plus efficace. Autre chose, maintenant on n'utilise plus, on n'obtient plus apparemment de stuff. Ou alors peut-être que j'aurai accès au stuff 2 quand j'aurai rempli entièrement la jauge. Donc il faut que j'atteigne 8200 points de conquête et j'en ai que 1095 pour le moment, ce qui est déjà pas mal. Hein. En une semaine, j'ai fait 1000. 8 semaines, ouais, c'est ça, il me faut 2 mois, quoi. Il me faut à peu près 2 mois pour pouvoir... pour remplir cette jauge. Et peut-être que ça me donnera l'accès au stuff un peu plus... Encore un peu plus puissant. Mais bon, voilà. Donc ce stuff-là, il a 7 niveaux d'amélioration. Ils sont tous niveau 1. J'ai pas investi dans l'amélioration. Mais voilà, en gros c'est ça. Il me manque peut-être les chaussures, un truc comme ça. Un truc dans le genre, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est encore les... Quoique non, c'est même pas sûr. Mule de soigneur d'esprit. Non, c'est même pas ça. Je sais plus qu'est-ce qui me manque. C'est les bijoux. Ça doit être les bijoux que je n'ai pas au bon niveau. Ça doit être juste ça. J'ai renoncé à mon cœur d'Azeroth. Du coup, mon cœur d'Azeroth, je le garde sur moi au cas où.
Mais de toute façon, en fait, en vrai, il est inactif en Outre-Terre. Donc, il ne sert à rien. Donc, autant. Voilà, j'ai acheté le collier du staff JCJ 1. Et puis voilà, quoi. Voilà, à ce niveau-là. Bon, bref, voilà où j'en suis, quoi. Donc, niveau e-level 152. Mais je galère. Je galère énormément parce que ma classe a été nerf à la ZOP, quoi. Vous venez vous confesser? Allez, c'est parti. La Trackpeur a sûrement envoyé ses chasseurs écumer le Malbois à notre recherche, MDG normalement. À en croire Draven, certains de ses meilleurs éléments combe et froid, pardon. En ce moment même, nous allons en profiter pour retourner la situation à notre avantage, tuer ses comparses, nous permettra d'attirer son attention. Elle vous remet un ensemble de fioles rouges vifs. Lancez-les sur ses sbires, cela devrait appâter les dévoreurs qui infestent les lieux. Utilisez la fiole d'anima concentré pour vaincre les brise-poires de combre et froid. Ah, j'y arrivais. De combe et froid. D'accord, donc on va gaspiller l'anima. Rien ne sert d'attirer la Trackpeur jusqu'ici tant que nous ne sommes pas en mesure de remporter la bataille. Elle ne prendra pas le risque de venir sans amener son armée personnelle. Placez ses conteneurs dans les parages. Le moment venu, nous libérons leur contenu dans l'air afin de recouvrir nos ennemis d'une épaisse couche d'anima. Cela devrait attirer les dévoreurs des environs comme des mouches. Vous êtes plus proche de l'antre que vous ne l'imaginez. Nul besoin d'espoir pour faire son devoir. D'accord. Nous avons besoin de renforts supplémentaires. J'en connais deux ici, dont la loyauté envers la véritable finalité de Raven. Bref, ne s'est jamais démenti. Et c'est précisément pour leur conviction que la Trackpeur les a abandonnés à leur triste sort en pleine pénurie d'anima. Tous deux feraient des alliés de poids dans notre mission. Prenez ce pieu et imprégnez-les d'anima, puis envoyez-les-moi. Je leur expliquerai la situation. Recrutez le maître Geboromod et la tacticienne Saka. Votre mission est d'une importance décisive. Si nous voulons réussir, le piège doit être parfait. Nous vous retrouverons au manoir au fond du village. Alors, voyons un petit peu. Mince. On va commencer par ça. Quoique. Non, on va commencer par le recrutement.
D'accord, ok. Excusez-moi, j'avais pas compris le truc. Ok, bon. Le truc, c'est qu'on a un truc là, le village oublié. Du coup, ça perturbe un petit peu le. On va essayer par là. Je tente, hein, je verrai bien. En l'air. Bon. Oula, oula. C'était pas là.
juste derrière. Votre tête me sera précieuse. Ok. Ouais, bah ouais, hein. Bon, ok, ensuite. J'étais l'une des meilleures. Pardon, maître. Oh non, bon. Devoir attendre qu'elle respawn. Bon. Bah attendez, je vais le suivre. Je vais le suivre, il va faire la troisième. Oh, bordel.
d'abord. Bordel. Ah, je suis mort. Putain, je suis mort. Mon marcheur est mort et du coup, ben, les... on a gros beaucoup trop de mobs là. Attendez, du coup, ok. Bon. Je suis trop loin. Et l'autre arrive spawn. Ah, il y a une autre araignée. Okay.
C'est bon, je la vois. J'étais l'une de mes. En tuant mes brise-poires, pardon, maître. Vous révélez votre position. Votre fin est proche. Nos éclaireurs ont repéré la craque-peur sur la route de Combé. Préparez-vous vite. Cet appel. Apparemment, j'ai un mob qui m'a aggro, mais... Regardez votre passé en face, ou il vous perdra. Changez de vous-même, ou je m'en occuperai. Quelle est la prochaine cible? Il faut cette plaisanterie commence à me fatiguer. Montrez-vous, et je vous accorderai une mort rapide. Alors, niveau stuff, de toute façon, je sais que j'ai... peu importe les quêtes que je ferai, j'aurai pas de stuff mieux que ce que j'ai... Enfin, il y a peu de chance. Il y a peu de chance que j'ai du stuff mieux que ce que j'ai actuellement. Parce que c'est du stuff JCJ que j'ai. Point d'expiation sans sacrifice. Voilà, vous voyez, là, ça pareil. Alors, le piège a été tendu et les trackers n'y a vu que du feu. Comme je le pensais, elle s'est bêtement laissée aveugler par son orgueil démesuré. Oh, excusez-moi. Gardez la fiole que je vous ai donnée à portée de main. Vous en aurez sans doute besoin au cours du combat qui vous attend. Nous renfermerons le piège dès que vous serez prêt. Parlez à l'accusatrice pour déclencher le piège, puis tuer la trappeur et récupérer le médaillon d'effroi. Ok. Occupez-vous de votre propre stèle. C'est parti.